Morgen, allez, Yiden, les tuches aujourd'hui, le Nishmat, Machlouf Micha ben Masouda, Rivka, Abat Levi, Yitzhak, Edov ben Yehudit, si vous souhaitez vous étudier une prochaine étude de demi-chapitre, peut-être 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Kinim, Perek Bet Mishnah Bet, Keitzad, Shtei Nashim, Lezo, Shtei Kinim, Ulbelazo, Shtei Kinim. Parach, Mizu, Lazu, Posel Echad Balichato, Chazar, Posel Echad Bechazirato, Parach Vechazar, Parach Vechazar, Vexid Kloum, un court rappel d'abord des notions de base, j'espère qu'elles sont déjà assimilées. Plus on va aller, plus on va arrêter de les répéter, parce que ça doit être lourd pour ceux qui ont déjà compris quand même. Mais quand même, il y a dans plusieurs situations naturelles, on impose d'apporter un khatataof et olataof, une expiation de zav, de zava, de yoledet, une femme qui a accouché. C'est plus une expiation, c'est pour finir une purification. Eh bien, elle doit apporter un Khatataof et Olataof, deux oiseaux, un qui sera Khatat, Aof, une volaille Khatat, et une de l'autre qui sera Olataof. Khatataof, il faut la faire en bas du Misbéach, enfin la Meleka a aspergé son sang dans la partie inférieure du Misbéach, Olataof, on l'a fait en haut. Là, Olataof, on ne peut pas la faire en bas, le Khatataof, on ne peut pas la faire en haut. D'où la problématique, lorsqu'il va y avoir un Khatataof qui va se mélanger avec d'autres Olot, même avec 1000 Olataof, on ne pourra plus rien faire avec ces Korbanot parce que les êtres vivants ne s'annulent pas par la majorité, ni par 60, ni par 100, ni par 1000, ni par rien. Donc du coup, quand tu vas avoir maintenant un khatat qui va se manger avec 1000 ola, eh bien, tu as maintenant 1001 oiseaux que tu ne sais pas, chaque fois que tu en prends un, peut-être que c'est le khatat, et tu ne peux pas le faire en haut. Tu dois le faire qu'en bas. Et donc, dans le doute, tu ne peux plus rien faire, les 1000, ils sont grillés. Première notion. Deuxième notion maintenant, c'est lorsque quelqu'un doit porter un khatat à off, une chova, ce qu'on appelle une chova dans ma série de kinim. Kinim, ça veut dire un nid, c'est une paire d'oiseaux. Quelqu'un qui doit porter une chova, un corban d'obligation, donc en général, ce sera toujours un khatat et un ola. Eh bien, dès qu'il va aller acheter chez le vendeur, une paire pour sa chova, il va dire comme ça, tiens, je vais acheter une paire pour ma chova, il a déjà désigné que parmi les deux oiseaux, il y en a un qui sera khatat et l'autre qui sera ola. C'est indéfini entre eux, mais c'est défini par rapport à tout le reste du monde qu'il y a un khatat et un ola. Dès qu'il va désigner un khatat, l'autre, il sera forcément ola. Dès qu'il va désigner une ola, il sera forcément khatat. Quelqu'un qui doit porter aussi maintenant trois kinim, ouais. Une femme qui a accouché trois fois de suite et puis elle n'a pas eu le temps d'amener ses corbanotes, elle va aller acheter six oiseaux et dire voilà, trois frovages ici. Et bien elle a désigné qu'il y en a dedans, il y en aura trois khatat, trois ola. Elle peut désigner qui elle veut à l'intérieur des six, mais impossible de faire quatre khatat et deux ola. C'est la problématique, parce que qu'est-ce qui va se passer maintenant lorsqu'il va y avoir des mélanges dans ces paires d'oiseaux. En l'occurrence, un khatat qui va se mélanger dans six oiseaux, qu'il y a trois khatat, trois ola. C'est ce qu'on apprenait dans le premier perek. Il pourra apporter juste 3 khatat, 3 ola, mais rien de plus. Et il pourra juste apporter, excusez-moi, juste 3 khatat et rien de plus. Il a grillé 4 oiseaux. D'accord? Parce que dans le doute, il ne pourra plus apporter un oiseau supplémentaire en ola, parce que peut-être qu'il a tiré le khatat initial qu'ils avaient mélangé. On ne sait pas où est-ce qu'il en est. C'est le principe de Masechet Kinim. Dans le deuxième perek, maintenant, on a passé à la vitesse supérieure avec une nouvelle situation. Où on ne parle plus d'un khatat ou d'un olataof qui se mélange dans des paires d'oiseaux indéfinis, mais de paires d'oiseaux indéfinis qui se mélangent avec d'autres paires d'oiseaux indéfinis, de manière à ce qu'on a, par exemple, ça va être le cas concret de notre Mishnah, qui va y avoir, allez, je vais traduire directement, Keitzad, comment se présente le cas? Shtei Nashim, il y avait deux femmes, Rachel et Léa, deux sœurs, chacune elle a couché deux fois. Les eaux Shtei Kinim, une elle a désigné quatre oiseaux, Velazo, Shtekinim, l'autre, elle a désigné deux nids d'oiseaux, donc quatre oiseaux. Deux paires d'oiseaux, donc deux, quatre oiseaux. C'est indéfini à l'intérieur des quatre, mais quoi qu'il arrive, parmi ces quatre-là, il y a forcément deux khatat de Ola, et parmi ces quatre-là, forcément deux khatat de Ola. Qu'est-ce qui s'est passé? Parach Mizu Lazu. Il y en a un qui s'est envolé, qui est parti dans le groupe des. Un du premier groupe qui est parti dans le deuxième groupe. Il s'avère que maintenant j'ai trois oiseaux contre cinq oiseaux. Eh bien, Posel et Khat Balichato, il invalide un dans son allée. Lorsqu'il est parti, il a invalidé un. Un, attention, c'était la dernière phrase de la mission précédente qui me disait attention. Pas sous le possède Khat Kenegdo. Lorsque je te dis qu'il invalide, il invalide un dans le nouveau groupe et un du groupe où il est parti. Pour quelle raison? Ça veut dire, d'abord on illustre, il y avait 4 et 4. Un qui est parti de là pour passer chez l'autre. Maintenant on n'a plus que 3 et 5. La Mishnah me dit, pour le moment il y en a un parmi les 5 et un parmi les 3 qui sont grillés, que tu ne peux plus faire. Pour quelle raison? C'est très simple. C'est très très simple. Lorsqu'on a eu un, donc maintenant on va s'occuper du groupe des 5. D'accord? Bon, maintenant j'ai 5 oiseaux. Pour le moment, tout est indéfini, c'est vrai.
Mais tout indéfini avec deux qui sont forcément khatat, deux qui sont forcément hola. L'autre, le cinquième, je peux en faire ce que je veux, mais attention, lorsque je ferai quelque chose de lui, eh bien je bloquerai un autre de l'autre côté aussi. Très attention. Maintenant, on commence à analyser. J'ai les cinq mélangés, j'en prends un, je dis, bon, lui, je le fais, khatat. Allez, je peux faire khatat? Réponse, bah oui, parce que de deux choses l'une, tu peux le faire khatat. Soit il vient du premier groupe, soit il vient du deuxième groupe des quatre. Donc, tu désignes khatat, en contrepartie, il faudra qu'il y ait un hola, soit là, soit là-bas. Continue. On met un khatat de côté. Je prends un deuxième oiseau et je dis, lui aussi, je le fais khatat. Je peux? Réponse, oui, je peux. Je n'ai aucun problème. Pour quelle raison? Parce que de deux choses l'une, soit il appartient au premier groupe en ce moment, maintenant ça y est, je l'ai tiré, ben, j'ai désigné un khatat, il y aura un hola dans le premier groupe des trois, c'est pas grave. Soit il appartient au deuxième groupe, ben, je suis en droit de faire un deuxième khatat. Par contre, je vais prendre un troisième oiseau, je vais dire lui, je le fais khatat, alors là je peux plus. Pourquoi? Parce que peut-être qu'en réalité, les deux oiseaux que tu as tirés, ils sont du deuxième groupe, et le troisième oiseau aussi, il est du deuxième groupe. Et s'il est du deuxième groupe, il n'est pas khatat, il est forcément hola. Donc en fait, lorsque tu vas finir de désigner, regardez, pensez à ça. Lorsque tu vas finir de désigner deux khatat, il est probable que tu as fixé qu'il y a maintenant deux hola forcément qui sont mélangés avec l'indéfini. Tu ne pourras plus apporter des khatat. Mais tu pourras apporter des hola. Il a fait. Tu prends maintenant le troisième oiseau, tu dis, ben lui, il est hola. Et là, tu me dis de nouveau, de deux choses l'une. Soit en ce moment, tout ce que j'ai tiré, ça appartient au deuxième groupe. Donc lui aussi, il appartient au deuxième groupe, il est hola. Soit il appartient au premier groupe, ben, en ce moment, je le désigne hola. Et à la place, il y aura un khatat dans le groupe des trois. On continue. Tu as déjà fait deux khatat, un hola, et tu continues, tu reprends encore un hola. Tu reprends un hola, c'est parfait. Tu peux le prendre, parce que tu vas venir de deux choses l'une. Soit c'est celui qui vient du groupe des trois, c'est celui du premier groupe, quoi. Donc tu l'as désigné, tu le désignes hola. Soit il vient du deuxième groupe, c'est la deuxième hola. Parfait. Le cinquième oiseau, tu ne peux plus rien en faire. Pourquoi? Parce que lui, tu ne sais pas qui il est. Peut-être qu'en réalité, parmi les 2 et 2 et 1, peut-être qu'en les deux khatat, ils venaient du. C'était les deux du deuxième groupe. Et lui aussi vient du deuxième groupe, donc tu ne peux pas le faire khatat. Peut-être que les deux holas, ils étaient du deuxième groupe. Et lui aussi, il est du deuxième groupe. Donc tu peux le faire hola, il est forcément khatat. Donc tu sais pas. Peut-être qu'il vient du premier groupe, alors là, il est indéfini, tu peux en faire ce que tu veux. Le problème, c'est que tu ne sais pas. Donc en fait, tu fais deux khatat, deux holas. Et un qui se fait griller. On repart maintenant sur le groupe des trois qui sont restés les trois ensemble. Et on réfléchit de la même manière. Bon, sur ce groupe des trois, quoi qu'il arrive, il y a deux khatat et deux hola indéfinis. Pour le moment, je désigne un khatat et un hola. Parfait. L'autre, je ne sais pas quoi en faire. Je peux pas décider. Est-ce qu'il va être khatat ou est-ce qu'il va être hola? Parce qu'en fait, tout dépend de ce qui a été offert dans le premier groupe. Peut-être que maintenant, l'oiseau qui s'est envolé, il a déjà été désigné en tant que khatat, donc lui il est forcément là. Peut-être qu'il a été désigné en hola, donc lui il est devenu khatat. Peut-être qu'il a pas été désigné, lui je peux en faire ce que je veux. Mais comme je sais pas, donc j'en fais rien. Il s'avère que pour le moment, avec le premier envol, j'ai invalidé un à l'aller, un qui à l'endroit où il est arrivé, et un du groupe d'où il vient pour le moment. Maintenant, nouvelle situation, c'est la suite de la Mishnah qui me dit Khazar, il est revenu, mais pas lui. Il y en a un qui est revenu. Ça peut être lui, ça peut être son copain. Il est passé maintenant du deuxième groupe, il est revenu au premier groupe. Il s'avère que maintenant, Khazar, eh bien, je traduis d'abord la Mishnah, Possel Echad Bechazarto, il va invalider un à son retour, mais en réalité, il invalide un à son retour et un en plus du groupe d'où il vient. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais 4 et 4. Un oiseau qui s'est envolé, il me restait 3 et 5. Un autre oiseau maintenant qui est reparti des 5, qui est reparti chez les 4. Il est reparti maintenant chez les 4. Maintenant, bon, de deux choses l'une. Si c'est le même oiseau qui est reparti à sa place, c'est parfait, tu fais deux khatat de hola, deux khatat de hola, seulement tu sais pas, peut-être que c'est pas le cas. Le problème ne se pose que lorsque tu supposes que c'est un autre oiseau qui est parti là-bas. Un du groupe des quatre, du quatre originel, du deuxième groupe, des quatre, qui est reparti de l'autre côté. Donc il s'avère que maintenant, dans chaque groupe, tu en as trois et un, et trois et un. Ouais, imaginez maintenant, en fait, c'est l'équation qu'on a peut-être devant nous. Il y avait on avait quatre oiseaux, et quatre oiseaux, il y avait deux khatat de hola, deux khatat de hola. Quelqu'un qui est venu, qui a pris un oiseau de là, il les a inversés, et il les a mélangés. Et on ne sait plus se retrouver, c'est la situation où est-ce qu'on est exactement. Qu'est-ce qu'on fait dans ce doute? Premièrement, pensez à la valeur sûre. Tout d'abord, dans le groupe des trois,
Eh bien, quoi qu'il arrive, il y a au moins un khatat et un hola. Et là aussi, un khatat et un hola. Ça, on peut le désigner et les sortir. Et c'est uniquement ce qu'on fera. Tandis qu'il y en aura les deux autres qui seront. Les deux autres de chaque groupe qui seront grillés, en fait, c'est ce qu'elle vient m'enseigner. À son retour, il en valide un supplémentaire là où il est parti et un supplémentaire de là où il est venu. Et réfléchissez. On va réfléchir juste après, mais d'abord, je continue d'abord la Mishnah. Parce que ça va m'aider. Il va y avoir un cas très important qui va nous rappeler, en fait, un cas qu'on a déjà étudié à Perek Aleph et Gimel. La Mishnah maintenant continue en me disant. Donc, pour le moment, retenez. Chazar, quand il est reparti à sa place, eh bien, Possel et Chad Bechazarato, il va invalider un par son retour, c'est-à-dire un là où il est parti et un de là où il vient. Donc en fait, on a deux invalidés de chaque côté. D'accord? Ouais. Chaque voyage d'un côté à l'autre invalide deux. Un de là d'où il est parti et un de là d'où il vient, là où il va, et un idem aussi lorsqu'il est parti. Et il est parti aussi, il va invalider. Donc il y aura deux invalidés, deux invalidés. Et la Mishnah continue en disant, tu sais, dès lors, par Arve Chazar, même si c'est reparti, ensuite ça continue. Un autre oiseau qui est reparti là-bas, un autre oiseau qui est reparti là-bas. Ifsid Kloum, il ne perdra rien de plus. Pourquoi? Shafilouhen me oravot en parchut mishnen. Parce que même si tu les prenais les quatre en même temps, dix de là et les quatre de l'autre, et tu les mélanges tous ensemble, sache que quoi qu'il arrive, tu feras deux khatat et deux hola, et c'est tout. Là, ça nous rapporte au cas de Perek Aleph, Mishnah Gimel, et je le rappelle d'abord parce que c'était important pour mieux. Ça va nous aider pour m'expliquer un petit peu. Il y avait. Imaginons, on a maintenant. Donc Rachel et Léa, chacune, elle a ses quatre oiseaux, quatre oiseaux. Et elles n'ont pas fait attention, elles les ont toutes mélangées, on ne les reconnaît plus. Et bien la Mishnah me dit, ben, tu sais quoi? Tu prends le nombre de paires de chacune, c'était deux, et bien tu peux apporter juste deux paires uniquement. Pourquoi? Le principe, il est très simple. Retenez cette phrase. Cherchez la valeur sûre. Pour le moment, on a les huit oiseaux devant nous. Il y a certes 4 ratates et 4 holas mélangés, mais que tu ne peux pas t'amuser à tirer 4 ratates. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu vas tirer 2 ratates, il est possible que maintenant, le troisième oiseau que tu vas tirer, c'est l'âme sœur des deux oiseaux ratates. Donc tu ne pourras plus le faire ratate, tu pourras le faire que hola. Donc tu vas tirer 2 ratates, tu pourras tirer 2 holas, et puis après les 4 autres oiseaux, ils vont se faire. Ils vont être invalidés, tu ne pourras plus les faire parce que tu ne sauras pas. Peut-être qu'ils sont rien. Peut-être qu'ils sont khatat, peut-être qu'ils sont hola, et t'en sais rien. Et puisque t'en sais rien, eh ben tu peux plus les faire. Selon ce principe maintenant, alors, d'accord? Donc c'est pour ça que la Mishnah me dit, tu sais, à partir du moment où il y a eu des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours, eh ben au pire, ça s'appelle que tout était très bien mélangé. Il y aura toujours deux khatat et deux hola. Attention, feinte. Feinte. Non. D'abord, je reviens pour le moment sur le cas initial, après je vous expliquerai la finesse. La finesse ou la complexité. Moi, j'ai buté, c'est la quatrième fois que je retourne ce cours, j'ai déjà fait 1 heure de cours pour pouvoir vous tourner un cours net. Mais en tâche, j'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Regardez, il faut juste comprendre maintenant ce qui s'est passé. Lorsqu'on avait les quatre à gauche, quatre de Rachel et quatre de Léa, et quelqu'un il est venu, il a pris un de là, il les a mélangés. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, regardez. Il y a tout de, pour le moment, quoi qu'il arrive, à partir du moment où on sait qu'il y a. Alors, dans chaque groupe, premièrement, je pourrais tirer forcément un khatat et un hola. Au minimum. D'accord? Ça, c'est la base qu'il faut aboutir. Tirer un khatat et un hola. Pourquoi? On va s'occuper d'un groupe, et il y aura le même principe qui sera de l'autre côté. Je tire un oiseau et je dis, bon, lui, je le fais khatat. Eh bien, je vais dire, écoute, deux choses l'une. Soit il vient des trois, donc il est khatat. Soit il vient du premier groupe, ben, je décide un khatat. En contrepartie, il y aura un hola de l'autre côté. Tac, je le mets de côté. Je tire en deuxième et je dis, alors maintenant, est-ce que je peux dire que lui, il va être ratat? Ah alors non, celle-là, il ne faut surtout pas en parler tout de suite. Je tire en deuxième et je dis, lui, je le fais hola. Je peux le faire hola. Pourquoi? Parce que de deux choses l'une. Soit il vient du premier groupe, donc en ce moment je le désigne hola, puis il fera un ratat de l'autre côté. Soit il vient du deuxième groupe, et ben tu sais quoi? Tu peux le faire hola, il n'y a aucun problème. T'avais trois chances. De hola. Donc il est devenu hola. Tu as désigné un khatat et un hola. Maintenant, attention, tu vas vouloir prendre un troisième oiseau et désigner qui sera soit khatat, soit hola. Alors, en théorie, tu vas prendre un oiseau maintenant. Tu vas dire, ah lui, je le désigne khatat. Bon, pour le moment, tu peux te permettre de le faire. Le problème est que tu vas griller de l'autre côté des choses. Alors, on laisse ça de côté maintenant et je passe maintenant sur l'autre groupe. C'est-à-dire, vadaï que je peux désigner encore un khatat. Et après, l'autre, je serai bloqué, je ne pourrai plus le désigner en. 2 minutes. Je passe maintenant sur l'autre groupe, vous allez mieux me comprendre.
Je passe maintenant sur le deuxième groupe. Et là-bas, j'ai maintenant de nouveau 3 et 1. Quand j'ai déjà désigné maintenant un khatat et un ola. Pour le moment, je peux dans le deuxième groupe désigner aussi. Je peux tirer avec selon le même principe, je tire un khatat. Pourquoi? Parce que de deux choses une. Soit il appartient au deuxième groupe, et je peux prolonger un crédit de tirer un khatat. Parce que même si l'autre que j'ai tiré le ola, il est de là-bas, il n'y a pas de problème. Lui, il est khatat. Et même si j'ai tiré un khatat, je peux encore tirer un deuxième khatat. Donc je peux tirer un deuxième khatat. Après, je peux tirer un deuxième ola aussi selon le même principe. Parce que de deux choses une, soit le khatat comme la ola, ils viennent tous du deuxième groupe. Donc c'est ce qui se passe. Je le prends de là. Soit il vient du premier groupe qui a été désigné. Et soit ça, il a déjà été désigné dans le premier groupe qui était de l'autre côté. Donc maintenant, je peux aussi le tirer en ola. Parce que j'ai un deuxième droit de tirer en ola. Mais maintenant, avec les deux autres restants, eh bien, je suis bloqué. Je ne peux plus rien en faire. Je ne peux plus rien en faire. Pourquoi? On va illustrer ça, simplement. Donc on a dit maintenant qu'on a tiré un khatat et un ola. Et bien maintenant, dans le deuxième, je vais prendre dans un groupe, je vais tirer maintenant un oiseau, je vais dire, ah tu sais quoi, lui je veux le faire khatat. Est-ce que je peux le faire khatat? Eh bien regardez, tu te rends compte que tu veux le faire khatat? Mais tu as déjà désigné dans chaque groupe un khatat. Tu te rends compte si peut-être tu as désigné deux fois un khatat, tu ne peux plus l'apporter en khatat. Ola, même principe. Donc en fait, tu as grillé deux et tu as grillé deux. CQFD. Vous avez déjà compris la Mishnah si vous avez compris ça. Maintenant, où je me suis tellement cassé la tête sur ça, c'est qu'on aurait pu compliquer l'histoire et faire le tirage autrement. Au lieu de faire un khatat en ola et un khatat en ola, on aurait pu se concentrer, en faire plus dans un côté. C'est vrai, on a plein de solutions. Mais la Mishnah n'en a pas parlé, pourquoi? Parce qu'on est en train de préparer en fait la suite de la prochaine Mishnah, où cette fois-ci on va s'amuser à avoir des oiseaux qui vont voler d'un groupe, un deuxième groupe, un troisième groupe, un quatrième groupe. Et là, il n'y avait plus d'intérêt en fait. D'accord? Donc pour le moment, on a bien compris la Mishnah. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salam.